Shalom à tous, c'est le pasteur Adassa qui vient encore vous parler et partager avec vous la parole du Seigneur. Oh bien-aimé dans le Seigneur, c'est vraiment un thème qui m'a beaucoup touché, qui m'a fait réfléchir et qui m'a surtout réveillé et qui me pousse aussi à croire que ça sera vraiment une alarme pour toi, pour ta vie, et de croire que Dieu est disposé à nous faire du bien. C'est seulement par ignorance que nous manquons ou bien que nous ratons la visitation de Dieu dans nos vies. Aujourd'hui, je voulais que nous puissions lire dans Psaume chapitre 84, tout le chapitre. C'est vraiment un psaume qui va beaucoup t'aider dans la foi. Et dans ce passage, on nous parle de l'amour du temple, mais ce qui m'a touché, c'est vraiment dans le passage, dans le verset 12, là où la Bible nous dit que Dieu réserve le bonheur, la bienveillance, la gloire, la joie à ceux qui marchent dans l'intégrité, à ceux qui vivent dans la sanctification, si je peux le dire, à ceux qui vivent une vie parfaite, à ceux qui vivent sans reproche. Dieu réserve à ceux-là la joie de vivre. Dieu réserve à ceux-là la joie de témoigner. Aujourd'hui, nous courons dans des églises, nous changeons des églises, nous changeons des pasteurs parce que nous recherchons la bénédiction. Nous courons vers la bénédiction. Or, la bénédiction réside dans la vie de sanctification. La bénédiction réside dans la crainte de l'Éternel. La bénédiction réside dans les choix que nous faisons. Dieu est disposé à nous faire du bien. Voici le bonheur qui accompagnera. Voici la joie qui va nous accompagner. Voici la paix qui nous est réservée. Mais tout cela, nous ne les vivons pas seulement à cause de notre tétutesse, si je peux le dire, ou bien à cause de notre désobéissance vis-à-vis de la parole du Seigneur. Et dans Exode 20, du premier verset jusqu'au 17e verset, Dieu lui-même montre à Moïse, lui donne la charte de l'Alliance, lui donne les 10 commandements, il lui explique « Pour que ce peuple soit béni, ce peuple doit marcher comme ceci. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. » Premièrement, Dieu lui-même, il ne veut pas avoir des rivales. Mais combien d'entre nous, nous avons des dieux dans nos maisons, dans nos cœurs, dans nos voitures? Dieu lui-même a interdit cela. Et notre thème, c'est quoi? Vivre sans reproche. Marcher dans l'intégrité. Vivre dans l'intégrité. Si tu vis dans l'intégrité, tu as droit au bonheur. C'est réservé pour ceux qui vivent dans l'intégrité. Que le Seigneur te bénisse là où tu es et que tu prennes la décision aujourd'hui de changer radicalement ta vie. Alors, le premier reproche que nous allons partager, c'est qu'est-ce que Dieu nous reproche? Ou bien qu'est-ce que Dieu nous interdit? Nous allons seulement rester dans Exode 20. Lis-le dans ta maison, du 1er au 17e verset. Premièrement, le Seigneur dit, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. » Le Seigneur veut de la reconnaissance. Le Seigneur lui-même dit à Moïse, il ne faut pas que ce peuple oublie qu'ils étaient hier esclaves et que moi, le Seigneur, je les ai fait sortir de l'esclavagisme et je les ai amenés dans un pays où j'avais préparé pour eux. Quelle grâce! Mais le Seigneur veut que le souvenir reste vif dans nos têtes. L'action de grâce, la reconnaissance. Combien de chrétiens sont ingrats? Si l'Éternel te bénit aujourd'hui et demain tu passes par des épreuves, tu oublies tout. Le Seigneur m'a laissé. Je ne vais plus prier. Je vais changer d'église. Mon pasteur n'a plus d'onction. Parce que je prie. Pourquoi je n'ai pas d'enfant? Parce que je prie. Comment je n'ai pas de mari? Est-ce que notre relation est liée aux choses? Mais rappelle-toi d'abord. Hier, tu étais comment? Hier, tu avais quoi? Hier, tu étais où? Le Seigneur t'a tiré de là où tu étais pour t'amener là où tu es aujourd'hui. Loue-le pour ça. Le Seigneur dit, tu n'auras pas d'autre Dieu
Il veut être le seul Dieu. Aujourd'hui, il y a des maris qui sont devenus de Dieu. Il y a des pasteurs qui sont devenus de Dieu. Il y a des femmes qui sont devenues des déesses. Il y a des enfants qui sont devenus de Dieu. Ah, moi j'ai fait 20 ans, je n'avais pas d'enfant et le Seigneur me donne un enfant. Mais cet enfant, je vais le prier. Le Seigneur te dit, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. C'est ça les reproches que Dieu nous fait. Tu ne te feras pas d'idole ni de représentation quelconque. Le Seigneur le dit. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'idoles. Il y a d'autres qui idolâtrent même leurs musiciens, leurs pasteurs. J'ai même écouté un enfant qui disait, même si Dieu m'interdit, mais même si Dieu approuve ce que je fais, mais si mon pasteur dit non, je vais écouter la voix de mon pasteur. Ton pasteur n'est pas ton Dieu. L'Éternel est au-dessus de tout. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous parlons de la part de Dieu. Nous sommes des envoyés. Évitez-nous l'enfer. Élevez Dieu plus que tout. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je peux te dire à propos de l'idolâtrie? Nous venons des familles idolâtres. Nous avons adoré, c'est vrai. Il y a d'autres qui n'ont pas adoré, mais beaucoup ont adoré. On a grandi, on a trouvé des idoles, des statuettes, des statues, des talismans, tout ça. Mais le jour où nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes sortis de là. Mais qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Nous amenons l'idolâtrie dans l'église. Le Seigneur veut avoir la première place. Il te reproche cela. Il dit encore, tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, pour tromper, car l'Éternel ne laisse pas impuni celui qui utilise son nom pour tromper. Beaucoup de faux prophètes, de faux prophéties. Dieu m'a dit, ma soeur, Dieu m'a montré que c'est toi la femme de ma vie. Dieu m'a dit, le pasteur corrompu, Dieu m'a dit que nous allons faire ceci. Dieu m'a dit, mon frère, tu dois s'aimer cette voiture. Dieu m'a dit, qui t'a dit, qui t'a envoyé? Et le Seigneur te dit, il ne te laissera pas impuni. Qu'est-ce que Dieu te dit? Dis la vérité. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Si l'Éternel ne te dit rien, tais-toi. Ne parle pas à la place de Dieu. C'est lui l'alpha, c'est lui l'oméga. C'est lui l'omniscient, c'est lui l'omniprésent. Il connaît toutes choses et il est capable de tout. Tais-toi et laisse-le faire. J'aime le Seigneur. Dans la Bible, tu vas voir, il y a d'autres guerres. Le Seigneur disait ceci aux enfants d'Israël. Préparez-vous, sanctifiez-vous. Et restez là, vous allez voir. La délivrance viendra de moi. Il y a d'autres choses que Dieu aime faire seul. Ne l'aide pas. Laisse Dieu être Dieu. Arrêtons de tromper. Si Dieu n'a rien dit, tu te tais, c'est tout. Aujourd'hui, il y a un vent des prophètes. Tout le monde est devenu prophète. Est-ce que vous savez qu'il y a des prophètes qui prophétisent une fois l'an? C'est pas un péché. Si tu as la vision, si tu as un message clair qui vient de Dieu une fois l'an, au moins attendre ça. Et nous savons que lorsque tu vas parler, cela est vrai et cela vient de Dieu. Au lieu de parler chaque jour, mais qu'il ne vienne pas de Dieu. Arrêtons de tromper. Le Seigneur nous interdit le mensonge. Le Seigneur nous dit d'observer le sabbat, le jour du repos. Les hommes ne veulent pas se reposer. Heureusement, maintenant, nous nous reposons. Et les pasteurs, et les entrepreneurs, nous tous, nous nous reposons. Vous savez, d'autres fois, les hommes de Dieu, nous croyons remplacer Dieu. Croire que si je ne suis pas là, l'église ne va pas marcher. Ça va marcher, mon frère. Ça va marcher. Aujourd'hui, on est là
Personne ne court derrière ses fidèles. C'est le Saint-Esprit qui agit. Pour nous dire que lorsque ces gens-là viennent à l'église, ce n'est pas pour toi, c'est Dieu qui les envoie. C'est vrai, c'est toi qui es l'ange de la maison, mais c'est Dieu qui les envoie. Aujourd'hui, nous nous reposons. Réfléchissons à nos actes. Parce que lorsque la vie va encore redémarrer, parce que là on est en pause, lorsque la vie va encore redémarrer, prenons maintenant des nouvelles décisions et faisons de nouveaux choix. Le bonheur t'attend, il suffit seulement de faire le bon choix, de vivre dans l'intégrité. Dieu dit encore, honore ton père et ta mère, afin de jouir d'une longue vie. Aujourd'hui, il y a beaucoup des églises. Tous les parents sont devenus des sorciers. J'ai rêvé de ma mère qui m'étranglait. Mon père a fait ceci. Hey, mon père a fait ceci. Lui aussi, il est victime, comme toi. Toi, au moins, tu as reçu Christ, mais lui n'a pas reçu Christ. C'est une personne sans Christ. Un homme animal, prie pour lui, jeûne pour lui. Tu étais bébé. Cette mère-là, cette femme-là t'a allaité. Tu as dormi dans ses bras. Elle ne t'a pas étranglé. Elle t'a laissé grandir. Elle a payé pour toi les études. Aujourd'hui, tu es béni. Et c'est là maintenant que tu vois sa sorcellerie. Même si elle est sorcière, toi comme enfant de Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Jeûner, prier pour que cette personne-là soit délivrée. Et la personne dont nous parlons, c'est ta mère, c'est ton père. Tu lui dois du respect. Au nom de la chrétienté, on ne respecte plus les parents. On ne respecte plus les aînés. Ah, ça, Mupagano wana. Ah, connaître Christ, c'est une grâce. Hein? Tu n'es pas né chrétien. Tu as eu la grâce de rencontrer le Seigneur. Prie pour ta famille. Honore ton père et ta mère. Aujourd'hui, il y a des morts précoces. Tout ça seulement parce que nous refusons d'honorer nos parents. Honorer ton père va te préserver de beaucoup de combats. La bénédiction de tes parents est importante. Ton pasteur peut te bénir, tes parents aussi doivent te bénir. C'est important. C'est ça la logique de Dieu. D'ailleurs ici, on n'a pas dit que c'est l'homme de Dieu qui va te bénir. Pour que tu vives longtemps, tu as besoin de la bénédiction de tes parents. Tu as besoin d'honorer ton père et ta mère. Dans tout ce que tu fais, ils doivent bénéficier de cela. C'est ça le secret de ta bénédiction. Ta belle-mère, ton beau-père, aime-les, honore-les, respecte-les. S'ils n'ont pas tué leur enfant lorsqu'il était bébé, ils ne vont pas y arriver aujourd'hui. Donne-leur l'amour. L'amour est plus fort que la haine. L'amour ne vieillit jamais. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Mon frère, ma soeur, marche dans l'intégrité. Honore la femme que Dieu t'a donnée. Respecte-la. Ne fais pas ce que les enfants d'Israël ont fait dans Malachie. Papa, maman, ayez le temps de vous reprocher en ce moment. Écoutez le reproche de Dieu. Si tu es adultère, arrête cette vie. Choisis de changer. Les jours sont mauvais. Donne ta vie à Christ. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Aujourd'hui, il y a d'autres mariages qui sont détruits à cause de faux témoignages, à cause de la méchanceté de la voisine, de la sœur en Christ. On est à l'église, tu vas dire au frère, ne va pas te fiancer à cette sœur. Hier, elle était pute, n'ose même pas, elle fait ceci. Non. Dieu dit, ne fais pas ça. Ne mens pas pour la vie d'une personne. À cause de la bénédiction, tu deviens sorcier. À cause du mariage, tu veux rater le ciel. Ne vole pas le mari d'autrui. Ne vole pas le bien d'autrui. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné.
Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui lui appartienne. Tu ne convoiteras pas sa maison. Aujourd'hui, nous tuons pourquoi? À cause de la convoitise? Pourquoi lui? Pourquoi lui peut avoir une grande maison comme ça? Pourquoi lui peut rouler dans une grande Jeep comme ça? Pourquoi lui? Otelier Caro. Tu ne convoiteras pas. Si l'autre est béni, c'est que toi aussi tu peux être béni. Attends ton tour. Le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Il est là, il attend. Dieu nous avertit, nous donne le secret du bonheur. Dans Deutéronome, il le dit. Si vous faites ceci, vous serez béni. Si vous désobéissez, vous serez maudit. Dieu nous donne toujours la solution à tout. Il dit, je mets devant vous la vie et la mort, mais choisissez la vie. Il nous montre que le bénéfice de l'obéissance, c'est le bonheur. C'est la joie, c'est la gloire. Respecte le nom de l'Éternel. Il nous donne le secret de la longévité. Ô esprit des morts, dans Koufate, au nom de Jésus, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les merveilles de l'Éternel. Ah ah, honore ton père. Honore ta mère. Tu auras la longévité. Tu vas bénéficier du fruit du pays. Mes affaires ne marchent pas. Honore tes parents. Honore-les. Et tu vivras la bénédiction de Dieu. Tu vas invoquer le Seigneur et le bonheur va venir à ta maison. Qu'est-ce que Dieu te reproche? Dans tout ce que j'ai cité ici, tu te retrouves où? Réponds-toi. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Le plaisir est éphémère. La passion brûle, mais l'amour a fermé. Prends la décision de vivre sans reproche devant Dieu. Dis-lui, Seigneur Jésus, je vais marcher dans l'intégrité. Je vais faire ta volonté. Apprends-moi à aimer mes parents. Apprends-moi à pardonner aux autres. À aimer mon prochain. À ne pas convoiter la bénédiction de mon prochain. Ce que tu me donnes me suffit. Ce que Dieu te donne te suffit. Si tu trouves que c'est insuffisant, attends encore. Il va ajouter. Marcher dans l'intégrité, c'est refuser la diminution dans ta vie. C'est refuser la souillure dans ta vie. Choisis d'être vrai. Choisis d'être parmi les fils qui font la joie des parents. Choisis d'être un bon fidèle pour ton pasteur, un bon fils pour lui. Que le Dieu d'Israël soit le véritable Dieu de ta vie. Qu'il n'y ait point d'autre Dieu à part ce Dieu que nous servons. L'unique et véritable Dieu. Que la joie du Saint-Esprit soit votre force et que le Saint-Esprit puisse vous aider à prendre la meilleure des décisions, choisir Dieu. Que Dieu vous bénisse.